les amis, on se retrouve les deux sur Jurassic World Evolution 2. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Alors, on s'était arrêté là, dans la dernière vidéo. Voilà, je fais lui. C'est vrai, il faudrait des galeries panoramiques. Qu'est-ce qu'il y a ici? Comment j'ai mis les consoles là? Ici, là, j'ai rien là. J'ai aucun dino ici. Ok, bah, moi je pourrais le mettre là. Pas de galerie panoramique ici. Ah voilà, boum. Let's go. Bon, quand ils seront là, ce sera pas 100%, mais c'est vrai, s'il n'y a pas d'électricité, je peux pas.
Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Pour agrandir et développer le parc. S'ils s'entendent pas avec eux, je vois s'ils s'entendent dans le... Ils aiment les poissonnettes, tu sais. Ok, mais est-ce qu'ils vont pas les chasser? J'attends pour voir s'ils vont les ils vont se fight avec les autres, enfin s'ils vont les chasser. Pour l'instant ça a pas l'air. Voilà. Ils s'entendent bien avec eux. Panique. De l'eau. Bon, s'ils cherchent, ils vont trouver de l'eau. Effectuer les recherches suivantes, étant les limites du parc. Ça coûte 6 millions, j'ai pas 6 millions moi. J'attends 6 millions. On va se faire chier hein, pendant tout ce temps. Je pense que je vais mettre en accéléré la vidéo. Hein. Ah, voilà. Ils se font bolosse par tout le monde, les consos, c'est une dinguerie. Putain, merde.
Ah ouais. Ça s'entend bien avec des trop longs. Bon. Ok. En fait, ils sont tous en train de se bouffer entre eux. La blessure de cet animal n'est que superficielle. Elle devrait se refermer d'elle-même, mais ça va lui laisser une vilaine cicatrice. Si là je remets des compos, hein, faut pas qu'il soit seul. De toute façon, j'ai que ça à faire le temps que pas les autres ils.
être une. Elle est petite, c'est vraiment des. Des monstres, hein. C'est pas croyable. Ils s'empoisonnent entre eux, mais c'est. Oh. Pas grave, allez-y, tuez-vous, tuez-vous. Si oui, tuez. Entre-tuez-vous. Ça, avec une seule espèce. Voilà, hop, là, du plus fort, tac-tac-tac. Là, on connaît. La petite musique. Qui a un accent 13 consonnettes, tu sais, bah c'est bien. Oh merde. Voilà, c'est juste avec le temps. La faible santé, c'est où?
je sais pas, bon, c'est pas grave. Pouvoir parfait, population 9. Voilà, ils sont bien entre eux. Population 5. Ne faites pas, bientôt vous serez plus. Ah, ça va, c'est 50 000, hein. C'est rien. Hop, hop, voilà. Population 12, voilà, ils sont bien. Hop. Pour le moment, il n'y a plus qu'à attendre. Faire attendre. C'est bon, j'ai assez. Jurassic Park, San Diego. Nous avons vraiment réussi à redonner vie au projet. Et aux dinosaures avec, bien sûr. Encore là, ok. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre notre apogée. Il nous faudra plus de terrain. Je pense qu'une bonne solution serait aussi plus de visiteurs et plus d'espèces de dinosaures différentes. Tout à fait. Faisons grimper la note du parc. Qu'en pensez-vous, Dr. Malcolm? Eh bien, Thomas Edison a dit un jour que ce n'est pas parce qu'une chose ne fonctionne pas comme prévu qu'elle est inutile. En ce qui concerne Jurassic Park, ça s'est étonnamment révélé être vrai. Pour l'instant, peut-être que ce que nous avons fait à San Diego est un hommage à tous ceux qui n'ont pas pu quitter l'île.
un héritage douloureux et tragique, mais qui posera les bases d'un monde changé à jamais en ramenant le passé et en le transformant en attraction de parc de loisirs. Le fait que personne n'aurait pu prévoir que les dinosaures et les humains respireraient un jour le même air donne à réfléchir. Et ça me fait sourire. Si on remet une galerie panoramique. Voilà, au moins, hop, en passant encore là, hop, ils peuvent observer. Tac. Je fais de la merde là. C'est la galère là. Donc quand on veut changer la couleur, c'est gratuit. C'est 3 200 000, ça se coûte cher.
Je termine d'abord ma route, après je vais pour les toilettes. Voilà, là tu peux poser ton classique. Là tu poses ton classique. Et si tu poses ton classique. Niveau toilette, on a 100%. Oulala, faut que je mette des bunkers. Et il a raison. Ça coûte 20 minutes juste pour déplacer un bunker. Il est rouge. Où ils sont beaux en blanc.
c'est dans les recherches au niveau pathologie. Voilà, médicaments. Bah voilà. Il prévient les futurs cadrages. Il prévient carrément, ça prévient. Il faut ça direct. Hein. Je passe pas par quatre chemins. Toi, j'ai pas envie que toi tu sois direct en colère, donc hop, je t'en mets bien direct. Boum. Faut de l'eau. Ouais, de base c'est des dinosaures qui vivent là où il y a du sable, les carnaux. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai enlevé les barrières avant que ça se forme. J'ai peur, hein.
Sable, il leur manque encore du sable. Faut qu'ils aillent visiter là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je viens un peu par là, je vais. Ah oui, ça enlève. Oh, les fusils. Faut que je les sens pas ça. Allez, allez visiter là-bas. Il me reste assez pour animer scientifique en congé, voilà, mais c'est quand même la S, mais c'est bon, t'inquiète, 100 000, on est bien. Ouais, eux, il leur fallait du sable. Hein. Ouh, en rouge, ils sont magnifiques aussi, ils doivent être beaux en vert. Hein. Non, il y a 8 Carnot. Tiens, j'avais déjà pas vu le proie à l'eau.
Bien comme il faut. Je sais pas si j'enlève de la forêt. Si vous avez vu. Il gagne du sable. Il y avait juste à faire ça en fait. Tout ça, il y a des coins où c'est plus sombre. Les tempêtes de sable sont une vraie menace pour nos installations. Elles peuvent être dévastatrices. Elles dégradent le matériel et elles font paniquer les dinosaures. Nous devons absolument rester vigilants. Quoi ta maladie toi? Prends une photo d'un dinosaure atteint par la maladie. Ok. Thank you.
Voilà. Superficie. Là, j'ai perdu une étoile. Je sais pas pourquoi. Ah, il va peut-être pour ça. Voilà, bon, c'est bon. On va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.